c'est l'histoire. Faut que je te raconte. Tu viens de la soirée où je suis allé hier soir avec ma gonzesse? S'il y avait eu que ça. Ah mais derrière j'en ai pris plein la gueule pour pas un rond. Je te raconte. Mec, mais tu t'es fait victimiser, enfin, c'est chaud, t'es un bolos là, enfin, faut faire un truc. Tu t'es fait piquer ta gonzesse alors que t'es avec elle depuis 6 mois. Voilà, récupéré. Ambiance pro chevalier. C'est ça les gars. On va leur péter la gueule et on récupère ta gonzesse. Je pense qu'on va le faire les gars. Parce que vous pensiez y aller comme ça? Alors si on y va armé hein, les gars. C'est l'avantage d'avoir un papa chef de rayon chez Brico Dépôt. Dans une heure, Parking Victor vous donne le rendez-vous. Vous avez raison les mecs, on va le faire une bonne fois pour toutes. Cette baston, ce sera le dernier mot de toutes ces conneries. On va frapper un grand coup et on va en finir. C'est parti. La personne qui vient de défendre, tu crois qu'il peut gagner contre nous? Excuse me, girl. I know it's a bit embarrassing, but I just noticed some tan lines on your shirt. See, I reckon you're about an 8 or a 9.
maybe even 9.5 in 4 beers time. That blue top shop top you've got on is nice, bit too much fake tan though, but yeah, you score high. But there's just one little thing that's really annoying me about you, you see. Yeah, like I said, you are really fit, but my gosh, don't you just know it? I'm not trying to pull you, even though I would like to. I think you are really fit, you're fit, but my gosh, don't you know it? So when I looked at you standing there with your hoard, I was waiting in the queue looking at the board, wondering whether to have a burger or chips, or what the shrapnel in my back pocket could afford. When I noticed out the corner of my eye, looking toward my direction, your eyes locked on my course. I couldn't concentrate on what I wanted to order, which lost me my place in the queue awaiting. Comme mon boucaille. Donc, tu préfères que je fasse quelle taille, le mec d'un gars qui souffre, non, ou le mec associé à la douleur? T'as peur, peur. Bah oui, c'est ouais, vrai. Peur, douleur. Ah, mais c'est notre émotion là. C'était comment là? C'est une forme de paradis sur Terre, quoi. J'ai trouvé l'Éden. Je pense que la lumière sera mieux. Je vois pas pourquoi on passe notre vie à habiter en ville alors qu'on pourrait aller, pour être là. stop, c'est bon. Vous avez raison, on va le faire. Et cette histoire, ce sera le point final de toute cette histoire. Non, j'ai raté.